C'est déjà spécial, c'est ton anniversaire. Je t'aurais prévenu. Yadel, non ! Tu vas pas revenir avec ça ! Chaque année, tu fais pareil ! Et tout ça, c'est dans ta tête ! Qu'est-ce que tu sais de ma tête ? Arrête. Je suis né le jour où il est mort. Mais à 3 ans d'écart, ça veut rien dire. Mais tu m'écoutes jamais! Pourquoi tu me fais venir? Parce que t'as rien d'autre à faire. Bon, allez, tire-toi. Va-t'en, je te dis. Non. Ah bah, reste avec moi. Viens. Allez, viens. Yadel, s'il te plaît, arrête. Viens, reste avec moi. Arrête. Allez, viens. Stop. Yadel, arrête. Arrête, non. Non. T'es pas son fantôme. Avant, ça les emmerdait, mon anniversaire. Maintenant, c'est réglé, ils s'en souviennent même plus. Oh non, c'est pas vrai. Ils font vraiment plus gaffe, hein. Bon, faut vraiment y aller, là. Mais pas comme ça. Fais pareil, tire tes cheveux. Quoi? Allez. Oh! Quand tu vois un oiseau mort, tu dois tirer tes cheveux, tu dois te faire mal. T'arrêtes que quand tu vois un oiseau vivant dans le ciel. Non, c'est débile. Mais pas du tout. Ça veut dire que si une personne au moins sur Terre a eu mal pour toi, alors t'auras pas vécu pour rien. Par ta douleur, c'est comme si tu rendais la vie à ce qui est mort. Et qui t'a raconté ça? Mais personne, je le fais depuis que je suis tout petit. Moi, j'ai déjà eu mal pour toi. Faut vraiment que t'arrêtes de parler pendant qu'on cherche. La commune ferme à midi. Je sais. Là! Là, regarde! Il est plus petit, hein? Bah oui, mais c'est vivant! Ouais, je crois que c'est bon. Attends-moi ici. Quoi? Attends. Yadel!